Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un produit que j'ai acheté, des casseroles. C'est des casseroles et là je teste le produit, voilà, et si c'est bon, ben vous verrez avec moi et je vous dirai après si je vous conseille ce produit ou pas. Vous voyez, ça c'est une casserole de 20 x 10 cm. Donc je le teste avec de la viande. Et l'autre à 24 x 13,50, je vais préparer le riz. Juste pour voir le produit. Donc le produit se trouve ici aux Comores. Donc c'est des étrangers qui vont ici aux Comores, qui se trouvent à Moroni. Mais on va tester le produit ensemble, n'est-ce pas la famille? Voilà. Donc là, jusqu'à là, c'est bon, ça colle pas, ça brouille pas sur le côté. Parce qu'il y a des casseroles en acier que dès que tu mets au feu, ça fait des couleurs marron ici. Donc là, jusqu'à là, c'est bon, ça colle pas, c'est tranquille quoi. Ça cuit tranquillement sans faire des dégâts, sans que ça brûle. Ça, voilà, c'est comme. Voilà, ça a donné le jus tout seul. Voilà, c'est comme des marmites ordinaires, voilà, normal. Voilà, c'est. En plus, là, vous voyez, là, il y a des mesures ici. 20 litres, 2 litres, voilà. 2 litres, voilà. Ça a coupé. Donc là, ça va de. Je crois que c'est de 0,50 à 2 litres. Voilà. Celui-là, c'est. De 0,50 à 2 litres. Et on va préparer le riz. Celui-là, c'est celui de. 24 sur 13,50, donc ça va de 1 litre jusqu'à 5 litres. On va préparer le riz. Je vais tester pour voir si c'est bon avec le riz. Voilà. Donc là, pour le riz, comme d'habitude, on nettoie 3 fois et après on va mettre. Aujourd'hui, comme j'ai des casseroles qui a des niveaux d'eau, on va voir. Sûrement, je vais mettre pour 3 litres d'eau, on verra, on va voir. Là, revenons à la viande, vous voyez, ça ne se colle pas, vous voyez, ça ne se colle pas. Donc, on va, là, c'est le début de la cuisson, hein, c'est pas bien cuit la viande. Je voulais voir si ça a cramé en bas de la casserole. C'est parfait, c'est. Donc là, on laisse cuire. On laisse cuire, mijoter, on laisse mijoter tranquillement. Là, pour 1 kg, j'ai mis 2 litres et demi. On va mettre le sel. Donc là, pour le riz, c'est parfait. J'ai validé. Voilà, donc le produit. Donc là, c'est bon. Là, c'est 80. Ça donne le degré. Là, c'est 80 degrés. Je crois Celsius. Ouais, c'est ça. Et pour la viande, c'est pareil. C'est 80 degrés Celsius. Là, je vais baisser le feu pour voir si ça va baisser. Mais là, même si je baissais, si je baisse le feu, ça me donne à 80 degrés Celsius. Donc là, là, je servis le riz. Donc, conclusion, au niveau de haut, ça ne crame pas pour rien. Ça crame que le bas, c'est ce qui est normal. Mais une fois le riz, ça a bien diminué le jus. Voilà, donc il faut diminuer le feu vraiment à feu doux. À feu doux, voilà. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'ai éteint le feu. Donc là, le degré, c'est 60 degrés Celsius. Voilà, parce que c'est moyen, c'est pas trop chaud. Donc là, la viande a bien cuit. Et vraiment, ça cuit plus vite, voilà. Donc ce produit, vraiment, la note, je donnerai 8,5 sur 10, voilà, pour ces casseroles. Donc là, c'est un lot de 6 que j'ai acheté, plus des accessoires qui vont avec, voilà. Donc celui-là, il fait partie, une grande assiette, on peut mettre la salade, ou voilà. Et pour la qualité, je donnerai 8,5 pareil sur 10. Là, vous pouvez utiliser avec le gaz, induction, plaque, voilà.
sauf avec le fait de bois, vous ne pouvez pas utiliser des casseroles. Voilà, voilà, ravie d'avoir fait cette vidéo, ravie d'avoir de vous avoir fait part de mes nouveaux casseroles. Bon, en gros, ravie d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, hein. En gros, voilà. Bye, prenez soin de vous. En gros, je suis plutôt satisfaite de mon achat. Bon, voilà, donc là, je fais une sauce au moringa. Bon. C'est comme... en gros, c'est du romazawa au moringa. Mais il y aura peu de jus, je vais essayer de... que ce soit un peu moins liquide. Thank you.